Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à créer un cartouche dans le logiciel Mensura. Les cartouches peuvent être composées de tout objet DAO, polyligne, texte, cercle, cotation, bloc. Privilégiez une construction de votre cartouche à la taille 0,21 sur 0,29. Intégrez facilement le logo de votre société ou de votre entreprise en utilisant la technologie des objets OLE. Utilisez le menu contextuel clic droit copier image, puis dans Mensura, faites à nouveau un clic droit en faisant un coller. Ainsi, Mensura intègre votre image en tant qu'objet OLE. Nous vous conseillons fortement cette utilisation de l'objet OLE, ce qui permet notamment d'avoir une image qui va toujours suivre votre cartouche lors de l'échange de vos plans. Les textes, concernant notamment les titres, les échelles de vos cartouches, peuvent être personnalisés en utilisant une définition d'attribut. L'intérêt d'intégrer un attribut dans vos cartouches est de pouvoir notamment renseigner automatiquement cette chaîne de texte à l'insertion du bloc sur votre mise en page. Pour créer un attribut, suivez les opérations suivantes. Allez dans le menu Dessin, Création, Symbole et Bloc, Définir attribut. Renseignez le nom de votre attribut à créer, la question que Mensura va vous poser lors de l'insertion du bloc, et bien évidemment la valeur par défaut à intégrer sur cet attribut. Personnalisez le style de texte. Pensez à utiliser le clic droit Milieu pour poser facilement et précisément votre attribut au milieu de votre champ de cartouche. Nous allons désormais procéder à l'intégration de l'ensemble des objets au sein d'un bloc. Pour cela, faites une sélection de fenêtre entière. Utilisez l'Easy Click clic droit pour faire une copie avec point de base. Et enfin, allez chercher dans le menu Édition, coller en tant que bloc. Mensura a ainsi créé un bloc complet de l'intégralité de vos objets. Profitez de l'interface simple et intuitive des palettes personnalisées pour créer effectivement une palette qui va intégrer votre cartouche. Par un simple clic droit Easy Click, ajoutez une commande en sélectionnant le bloc prédéfini. Personnalisez éventuellement votre nom de commande. Nous rappelons qu'une palette personnalisée de cartouches peut être sauvegardée à l'échelon du poste ou d'un service pour rappeler à tout moment votre cartouche dans quelque plan que ce soit. Vous pouvez ainsi désormais, par un simple glisser-déposer, intégrer votre cartouche au sein de votre mise en page. La boîte de dialogue suivante vous permet de renseigner les attributs personnalisés. Vous pouvez également, plus traditionnellement, sélectionner votre bloc et ainsi, via le menu Easy Click, clic droit, gérer ses propriétés et éditer le bloc afin de le modifier dans sa fenêtre de personnalisation. Ou encore, d'une manière plus traditionnelle, sélectionner le bloc et le décomposer afin de personnaliser les textes par un simple double clic et ainsi modifier vos titres et autres informations de cartouche. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube.